Charlie, ton nom, d'ailleurs, voilà, je suis enfin là pour faire le swap. Si vous m'avez pas reconnu, si vous savez pas qui je suis, en fait, c'est moi, Micheline, la meilleure amie de Tiffany, enfin, Tiff, qui tu veux que tu sois. Elle m'avait fait une fois un swap et tout. Je suis en retard sur ma vidéo parce que j'ai des petits soucis de santé. Comme tu peux voir, je suis un tout petit peu palote. J'ai pas le droit de sortir dehors parce que voilà, j'ai comment dire ça, des soucis au niveau hormonal, mais ça c'est un détail parmi tant d'autres. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, hein. J'ai demandé à Grégo si je pouvais moi aussi me permettre d'insérer ma vidéo quelque part par là. Donc voilà, et donc je vais faire le swap avec vous. Je vous avoue, j'ai jamais fait de vidéo, je ne me prends pas pour une bimbo. Quoi qu'on dise, tout chez moi est naturel, presque. Oh oui, non, enfin voilà quoi. Sinon, que dire de plus ou de moins, voire de plus, de moins, je ne sais plus ce que je dis. Ben voilà quoi, je vais commencer par. Oui, le carton a déjà été déballé, hein, faut vous dire ça. Je vais prendre d'abord la carte que Micheline m'a laissée. Hein. Vous pouvez voir, très très jolie, très original. Hein. Donc voilà, dans la carte, elle me dit des petits mots. Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que. Oui, j'ai un peu de mal à lire parce que j'ai pas appris ça. Alors je vous en prie un peu d'indulgence. Moi aussi, comme Micheline, on a un problème. Enfin, Micheline-Tiffen, on a un problème de sein. Moi, ils se rejoignent parfois, ça leur arrive. Enfin, soit on revient avec la carte, s'il vous plaît. Ne nous égarons pas. J'espère que tout va bien. Enfin, soit en gros, elle me dit que ça va bien et que voilà, que le swap a lieu me fait plaisir. Ben, sache que ça me fait plaisir d'avoir fait ça avec toi. Je le ferai pas deux fois. Ça m'a coûté un bras. J'ai pas pu m'acheter mon rouge à lèvres préféré par ta faute, hein, mais bon, c'était l'intention qui comptait et j'ai pu comprendre que ça t'a plu et ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Bon, ben sans plus attendre, on va commencer, hein, parce que c'est le but de la vidéo, c'est ce que vous attendez tout, hein, voir ce que j'ai reçu. Micheline à grand cœur, Tiffen un peu moins. Oh! J'ai un appel! C'est mon papa! Vous permettez? Mon téléphone. Ah, il est devant moi! Juste un moment, hop, je vais me ranger ça. Oui, papa? Un instant, je reviens, je ne vais pas prendre longtemps. Oui, non, je fais une vidéo pour. Ouais. Ouais, j'en ai rien. Oui, je sais. Ah, oui, ok. Oui, non, mais je n'en ai pas pour longtemps, il faut que je fasse la vidéo. Écoute ta gueule, papa! Je suis occupée, va chier maintenant, ok? Allez, ciao, bisous, bisous. Sale type. Les parents, hein. Excusez-moi. Oh, ils sont toujours là quand il ne faut pas, surtout mon papa. Oh, ouais, j'ai mis une séance personnalisée parce qu'il est bon, mon papa. Mon papa, c'est le plus fort. C'est ce que je dis depuis toute petite. Soit, on s'écarte. Donc, on va commencer sans plus attendre. Derrière, donc, la carte. Hein. Très original, elle m'a laissé un petit menu. J'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie. On va commencer sans plus attendre. Alors, elle m'a offert en fait, oui, j'ai déjà ouvert les cartons, ça je vous dis. Une petite cafetière. Et j'aime pas le café. En fait, je ne sais pas pourquoi elle m'a offert ça, je pense que c'est symbolique, elle a sûrement expliqué quelque part, mais je ne sais pas. Ça fait plaisir. Ah oui, si tu veux remarquer, j'ai fait le maquillage assorti à mon vernis. T'as vu, j'ai mis du rose, du vert. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, une petite cafetière, c'est intéressant. J'y jetterai mes cendres. Ensuite, elle m'a offert un petit cœur, comme ça. Ça sent super bon. Et il fait écrit à l'intérieur Friends never die. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'elle a écrit ça bizarrement? Oui, j'ai un peu bilingue parfois aussi, hein, je comprends tout petit peu l'anglais. Les amis ne meurent jamais. Ouais. Je suis pas immortel que je sache, hein, connasse.
Mais bon, oui, avec Tiffen, on traite de connasse, mais ça vient du cœur, je l'assure. Enfin voilà, ensuite. Oh, un porte-clés, elle a été à Disney dernièrement. Oui, elle a les moyens d'aller à Disney, moi pas, hein, à vos avis. Elle m'a ramené la lettre K. Bon, ben, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai envie de dire. Je m'appelle donc Micklin, K. Micklin. Enfin, je ne sais pas, peut-être elle fait allusion à quelque chose. Je me pose encore la question. Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Voilà que je me sépare les seins, on se rapproche de trop de nos jours. Ce swap est quelque chose d'intense pour moi parce que, voilà, je suis une parenthèse, mais j'ai pas trop les moyens ces derniers temps. J'ai perdu mon boulot, j'étais ramasseuse de moules à la plage de Dunkerque. On m'a renvoyée sous prétexte que je n'arrivais jamais à l'heure et que j'étais quelqu'un de trop porté sur mon apparence. À partir de quand une fille qui se maquille accorde l'apparence importance à son apparence, comme elles disent. Enfin, c'est pas parce que voilà, j'ai l'air d'être superficielle que ça y est, ça change une vie, quoi. Je suis une fille comme les autres. Vous venez d'accord, n'est-ce pas? Ouais, donc je ne comprends plus. Enfin, soit on s'en fout. Alors ensuite, elle m'a offert ce multi-purpose dégraisseur en W5. Ça a l'air d'être chouette. Elle sait que j'aime faire le ménage. Bon, une fois elle est venue à la maison, forcément, ça sentait pas très bon. Oui, j'ai un lapin, en fait. Le problème, c'est qu'il chie tout le temps et ça pue la merde. Mais voilà, c'est un animal. Moi, j'aime les animaux, surtout en fourrure. Donc, voilà, quoi. J'ai pas encore trop l'argent de me payer une fourrure, donc je me suis payé un lapin afin de pouvoir le disséquer par la suite à sa mort et l'utiliser comme écharpe ou comme moufle, c'est selon les envies. Mais c'est tout petit, donc j'hésite encore à en faire des chaussettes ou des sockets. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Enfin, c'est censé faire plaisir. Ensuite, elle m'a offert une petite minuterie comme celle-ci. C'est joli, hein, c'est une coque. Coxine. Enfin, c'est un petit machin avec des petits points noirs là, vous voyez. Enfin, sweat. Ah, c'est joli, hein. Ah, elle va, elle fonctionne, ça fait plaisir. Par contre, je crois qu'elle avait déjà dans sa cuisine, il y a un peu de poussière dessus. C'est sympathique, parce qu'il était merde, hein, mais bon, la prochaine fois, on évitera. Hein. Enfin, donc voilà. Sinon, que dire de plus ou de moins voire de moins. Enfin, on va voir, attendez. Oui, me revoilà. Désolé, ça a coupé, plus de batterie. Fallait que je revienne. Je mange mes cheveux. Oui, j'ai fait une nouvelle coloration. J'avais demandé à la coiffeuse de me faire un blond cendré. Je crois qu'elle a confondu blond cendré et les cendres blondes. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est pas très blond ça. C'est plus blanc qu'autre chose. Elle m'a dit avec votre teint, ça va ravir. Je ne sais pas que comprendre dans l'histoire. J'ai été vexée, je suis partie en pleurs. Mais je suis une femme digne, j'ai pas pleuré devant elle. Que soit que bref, elle m'a offert la miniature de la petite robe de Guermain et elle me précisait en fait, parce qu'elle m'a envoyé un message dernièrement. Ouais, ça, je sais les lire, elle écrit mal elle aussi. Voilà, qu'elle n'a pas l'argent de m'offrir la petite robe noire de Guermain et qu'elle a eu comment en fait, elle l'a volée au magasin et elle me l'offre. Je vois pas l'intérêt de me le dire déjà. Hein. J'ai envie de dire que ça fait plaisir de recevoir un cadeau de cette envergure, un petit parfum, parce que c'est pas me l'offrir. De là à voler pour moi, je n'en demandais pas tant. Chacun des. Hé connard, tu me l'as mis trop fort. On m'entend même plus dans ma vidéo, je parie. Non, mais j'habite dans mon appartement et les gens, ils mettent la musique fort. Hein? Mais voilà Tiffen qui me téléphone. Vous voulez rester avec nous un tout petit peu? Ah, parce qu'elle me téléphone pour me demander comment je vais, pour lui dire que j'étais malade. Attendez, je reviens. Oui, Tiffen. Oui, c'est moi. Bah oui, forcément, tu me téléphones. Ouais, non. Ouais, ton colis, je l'ai reçu hier matin, c'est vrai. Ouais, merci encore. Non. Écoute, bah, je suis en train d'éditer la vidéo sur la chaîne de l'OTD là-bas. Ouais, non, Grégo, c'est. Oui, celui-là, oui. Non, j'ai pas de nouvelles de lui. Ouais, ok. Oui, non, non, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, voilà, je voulais te remercier aussi. J'avais téléphoné, mais j'ai pas eu vraiment le temps.
Mais voilà quoi. Et toi, ça va? Ouais. Ah, ok. Tu repenses encore à Jackie. Bah écoute, si tu es sage et que tu veux changer les idées, ce week-end, je suis libre. On peut aller faire un tour à la plage. Ouais? Ok. Ouais, faut que j'y aille justement pour me changer les idées également. Allez. Bah bon courage, il faut que je te laisse hein, parce que je fais la vidéo, tu sais bien, hein, ça prend du temps. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, allez, hein, plein de bisous, hein, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Elle casse les couilles, hein, elle est toujours en train de me faire chier à tout le monde de la journée. Oh, je vais pas raccrocher. Oui, t'es tout... Ah, t'es toujours là. Ah, excuse-moi. Non, non. Non, c'est pas ça, c'est pas à toi que j'en avais, je t'assure. Non, c'est ma petite sœur. Oui, j'ai pas de sœur, ouais, mais bon, la voisine, quoi. Ah, enfin, soit toi, là, quoi. Allez, hein, je te fais plein de bisous. Ouais. Ah, non, arrête. Moi d'abord. Ouais, c'est ainsi. Allez, je te laisse parce qu'il y a la vidéo qui tourne. Ciao. Ah, ouais, ça va, j'ai bien le cas. Mais elle est casse-couille, elle est un peu envahissante sur les bords, cette fille. Bon, elle est gentille, elle a le cœur sur la main. Bon, elle a pas le choix, elle a pas d'amis, elle a pas de copains, elle a été larguée. Bah, vous l'a dit, hein. Enfin voilà, et puis elle est un peu usante, hein. Elle est toujours en train de se poser des questions si elle est belle ou pas. J'ai envie de vous dire que voilà, elle est ce qu'elle est. Hein. Forcément, elle n'a pas mon physique, mes yeux de biche. Elle sait pas se maquiller comme moi, elle accorde pas son vernis comme moi. À un moment donné, il faut qu'elle se pose les bonnes questions, quoi. Soit elle se refait la gueule ou alors les seins. Mais bon, moi j'aurais dit de changer la garde-robe en même temps. Mais c'est pas moi qui dois lui dire. Hein. Je suis son amie, certes, mais je suis pas non plus un coach beauté. Que je pourrais penser qu'elle ferait une pâle copie de ma personnalité. Ça, j'aime pas. Je suis unique en soi. Ouais, je me trouve unique. Pas toi? Ouais, bon. De toute façon, ton avis m'importe peu. Je te connais pas. Enfin, soit. Ensuite, oh, elle m'a offert aussi ça. Des pommes de terre. Elle me mettait en fait dans la carte parce que. Elle me disait tout simplement, ça te rappellera ton ancien boulot, toi qui aimes tant la moule. Ok, je suis pas lesbienne tout d'abord, hein, ok, quoi qu'on dise. Oui, je suis pas lesbienne, ça va, c'est pas parce que j'aime les moules que ça y est, c'est les moules, les crustacés, hein, d'accord. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai trempé ma frite dans une sauce mayo et j'aime ça, moi, la frite sauce mayo. Et les moules aussi, c'est délicieux. Quoi qu'on en dise. Faut pas être lesbienne pour aimer les moules, bah, je vous le dis. Ensuite, bah, comme elle sait que j'aime le bleu, elle m'a offert en fait cette bougie parfumée de chez Ikea, je vois. Bon, je sais pas vous, hein, mais ça sent les chiottes. Maintenant, bon, bah, c'est le geste qui compte, hein. Moi, j'ai pas fait mieux. J'ai pas fait mieux dans la mesure où j'avais pas trop les moyens, mais bon, ça, je vous l'ai déjà dit, hein. J'ai perdu mon boulot. Mais oui, c'est un moment très difficile. C'est pour ça qu'avec Micheline et Tiffen, enfin, moi, personne et moi-même, quoi. Oui, je m'appelle Micheline, je sais, alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on est solidaires, on est comme les 10 doigts de la main, l'un sans l'autre, c'est pas possible, hein, à moins d'être charcuté. Mais ça, je pense pas que notre amitié sera charcuterie. Hein. Charcuté, pardon, charcuterie, j'ai faim, c'est pour ça. Enfin, cela dit, ça me fait plaisir. Enfin, soit que soit, c'est le dernier cadeau, pas le moindre. Ben, un petit canard comme celui-ci. L'embout, je sais pas, ça m'a fait penser à quelque chose d'un peu sexuel. Parce qu'il faut écrire, appuyez là et vous verrez un truc apparaître. Effectivement, c'est un peu vulgaire, mais oui, effectivement, c'est un canard vibrant. Ah, en tenant comme ça fait des chatouilles. Je vais me le mettre si j'en ai besoin. Enfin, je l'ai éteint parce que quand même, pas exister la batterie. J'imagine que s'il reste bloqué dans ma chatte, ça risque de faire mal et des dégâts. Enfin, soit, voilà, c'était pas grand-chose parce que, voilà, je savais qu'elle était en pleine phase de rupture. J'ai pas voulu qu'elle fasse trop de dépenses, qu'elle pense à sa personne avant de penser aux autres, même si j'aurais espéré avoir plus de trucs. Saloperie de merde de ratatouille. Ouais, la peu radin, hein, Tiffen, moi je suis désolé, hein, faut pas déconner. La meuf, elle se paye un voyage à Disneyland Paris, elle a le culot de me ramener la lettre K. Mais je m'appelle comme Micklin. À un moment donné, faut pas déconner, je sais pas qui elle pensait refiler à sa petite amie, à sa copine. Non, du tout, bah, ça baisse tout net, quoi.
Enfin, soit les filles, moi je vous dis à très bientôt peut-être. Si pas, bah voilà, c'était un plaisir. Hein. Fait de gros bisous. J'espère que ça vous a plu et que vous aussi vous n'allez pas vous faire entuber par un swap à l'avenir. Et si vous avez besoin de faire un swap, faites pas avec elle. Enfin, elle est un peu radin, elle offre de pommes de terre, une cafetière. Enfin voilà, tout est petit chez elle quoi. Enfin ouais, c'est pas parce qu'elle habite en T2 que ça y est, c'est la fête. Hein. Mais bon. Allez, sur ce, je range mes seins et je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!